Welcome. Hello. Tu m'entends, Loki? Ça va? Ouais. Bah ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Écoute, bon, parfait. Alors, quelques sueurs froides là au lancement. Je suis en train de voir que j'ai un débit d'image qui est pas foufou, mais... Tu as des pertes de ouais, d'image. Mais au rez-de-chaussée, il y a du débit qui est chopé sur la télé. Ok. Ok. Je pense ça va cela. Le faire t'es oh, oui, ça va le faire. Je suis à 11% de pertes d'image. Ouais, ça... c'est rien bon, du tout. On va gérer. Ça reste on enregistre sur Twitch, mais en fait, c'est un podcast, quoi. C'est ça. C'est pas grave, on va se la ça faire va laguer quand même un petit comme peu. Ça. Ouais. T'inquiète pas. Cool, et eh ben écoute, lançons-nous directement dans l'action. Je te fais un petit récap pour te remettre dans l'ambiance. Hein. Mm-hmm. Donc, tu étais arrivé dans une zone qui s'appelle les ruines de Thunder Tree, et tu avais fait ton chemin à travers cette ville, qui avait été ravagée par la nature, mais alors vraiment engloutie par la nature, un petit peu ce qu'aurait pu être Phandalin à l'époque, quoi, si elle n'avait pas été, revitalisée par un des nouvelles voies de commerce. Et donc, pour le coup, tu t'es un petit peu aventuré, tu étais resté assez conservateur sur tes choix de visite de bâtiments, hein, ce qui est tout à fait bien. Mais tu t'es été aperçu qu'il y avait en effet quelqu'un qui vous épiait un petit peu, comme ça, au bout d'un chemin. Alors, vous avez toujours eu ce sens d'être observé, hein, depuis que vous étiez dans la ville. Et puis là, en effet, vous avez vu cette ombre qui a dégarpi très vite au premier contact visuel et qui s'était caché dans une maison. Et tu as eu frappé à la porte plusieurs fois, etc. Et puis finalement, ce personnage était venu vous ouvrir la porte. Et en gros, il vous proposait de vous offrir un passage sain et sauf à travers la ville en échange finalement d'un coup de main, quoi. Il y avait en effet un petit problème de dragon local dans la tour. Tout petit problème de rien du tout. Oui, un petit dragon, quoi. Tu vois, enfin bon, voilà, tout est relatif, évidemment. Le petit croc de venin. Petit croc de venin, voilà, tout à fait, qui est un dragon vert. Et donc, pour le coup, vous aviez tiré un petit peu à la courte paille, à savoir un petit peu si oui ou non vous alliez l'aider. Et puis bon, alors ça s'arrangeait pas forcément, ça n'allait pas vraiment dans ce sens-là au début. Mais, la tendance était plutôt à la fuite, enfin l'esquive de. Voilà, on n'était pas trop chaud pour aller faire cette mission. C'était pas très très chaud pour y aller. Voilà, exactement. Voilà. Et Rogue a fait un petit peu pencher Rogue la. A fait... La balance, ouais, voilà. Écoute-moi. On va y aller. Voilà, et en fait, vous avez persuadé pour vous y rendre. Donc, vous y avez remonté le chemin un petit peu à plusieurs centaines de mètres de là. Il y a une espèce de petite colline comme ça qui a monté. Vous avez remonté ce chemin-là. Et sur chaque côté de ce chemin, à proximité de cette tour, finalement, vous avez eu deux araignées géantes qui étaient clairement. Éventrés, zigouillés sur le côté, enfin voilà, sur le dos, les pattes en l'air, les abdomens déchirés, enfin voilà, ils s'étaient vraiment fait passer quelque chose, quoi. Putréfaction surtout... depuis. Ouais, voilà, il y a eu une espèce de rencontre un peu malheureuse pour ces deux arachnites, quoi, mais alors avec des traces de. Clairement des traces de griffes qui partaient, enfin, qui partaient des abdomens, puis qui s'enfonçaient dans le sol à proximité, enfin, clairement quelque chose d'assez. Assez balèze, assez impressionnant, quoi. Et si bien vous faisiez face à cette tour, vous avez eu la possibilité d'accéder à une antichambre, hein, qui mène peut-être à la tour. Vous avez essayé deux fois de rentrer dedans, sans trop de succès, quoi, en fait, jusqu'au moment où un petit écureuil gris a un petit peu interpellé votre attention, et cet écureuil s'était fou dans un éclair de lumière transformé dans la forme du druide, quoi, qui pour le coup a des pouvoirs de transformation sur les animaux naturels de cette zone, quoi, ce lieu, quoi. Vous aviez finalement dégondé finalement la porte à coup de pompe, t'étais finalement arrivé à la faire céder, et vous en étiez finalement au moment où vous alliez tous entrer dans l'antichambre. C'était à peu près là où on en était. C'est exact. Est-ce que tu as la moindre question avant que l'on enchaîne? Alors, deux petites précisions. Ouais. Il me semble que tu m'avais dit que le dragon qui est en fond sur la vidéo de stream, c'est Croc de Venin. Croc de Venin, tout
tout à fait. Une petite précision pour ceux qui regardent la vidéo, du coup. Voilà. Voilà. Il y a une petite idée de ce qui nous attend derrière. Ce qui m'attend derrière. Connu, hein, dans son nom original, Venom Fang, le nom anglais britannique. Ah, ça sonne tout évidemment, tout votre épopée traverse déjà les lieux, hein, votre légende est déjà contée en plusieurs langues. Mm. Venom Fang pour la version originale. Et alors, une petite question pour ce qui est du sort que m'a lancé, Rogue. Tu sais, sur le coup de vas-y, t'es chaud pour aller pour partir à l'aventure, enfin l'espèce d'hypnose qui m'a lancé. Ouais. Ça dure 24 heures. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps qu'il me l'a lancé ? Oh, il te l'a lancé il y a 3 quarts d'heure, hein. c'est pas grand chose. Hein. Donc, d'accord. Si tu veux, il te l'a lancé, mais il t'a influencé une seule fois sur ta décision. Pour l'instant, tu ne t'es pas encore rendu compte qu'il t'avait influencé. Dans 24 heures, tu auras mémoire qu'en effet, il t'a forcé la main. Mais dans 24 heures, je me tire de là. Pour l'instant, je suis encore. Pour l'instant, on va dire qu'il a influencé ton jugement, mais il t'influence pas tel que tu es là maintenant. Si tu veux, il te contrôle pas. Hein. Il a juste changé ton opinion, quoi. Donc, en soi, c'est vraiment une modification extrêmement mineure, quoi. C'est simplement il t'a influencé sur ton choix. C'est tout ce qu'il a fait, quoi. D'accord. Maintenant, est-ce que je suis enthousiaste, du coup, ouais. Vu qu'à l'inverse, j'étais OK. Ouais, t'es pas. Je trouve que c'est une super bonne idée. Ouais, voilà, c'est qu'en fait, tu t'es complètement retourné, quoi. Maintenant, Rogue, lui, ne peut pas utiliser son pouvoir une deuxième fois dans les 24 heures. Donc, c'est une fois par jour. C'est parfait. Donc, voilà, et puis dans 24 heures, tu vas comprendre qu'en fait, il t'a forcé là. Non. Ça fait du sens ? C'est parfait. Écoute, si okay, je me souviens, j'avais à l'entrée de cette antichambre, je m'étais armé de mon arc. J'avais encoché deux flèches. Et donc je me retrouve devant la porte. La porte de la tour. Enfin, visiblement, celle qui va mener à la tour. Exactement. Je me trouve devant cette porte avec les autres camarades derrière moi. Vous étiez tous en position, franchement. C'est la team assemblée, quoi. Genre, tous en post-strike. C'est ça. Face à la tour. Et pour le coup, vous faites face à une double porte, hein, de bois épaisse, d'ailleurs, cloutée. Avec des grands arceaux en métal, en fer forgé, hein, comme ça, devant vous. Et voilà, et vous en êtes là, quoi. Donc, vous êtes tous dans cette antichambre. Hein, donc, du coup, il y a toi, Rock, Miles, Sildar et le druide qui vient de vous rejoindre. Ok. Que fais-tu ? Eh bien, écoute, on est tous là en position prêt à l'attaque. Enfin, on tape la pause, surtout pour... C'est ça, pour la potentiel, pour la photo. Et puis je pense que la pause dure, tu vois, jusqu'à ce que tu entendes une petite mouche passer. Mince, tu regardes. Puis qu'on se dise, tu sais, peut-être, ouais, qu'est-ce qui vous la porte. Bon, allez. Libre à toi de choisir. Allez, à moi l'honneur. Et en fait, tu sais, je me détache. Alors, c'est Chéral qui part. Ouais, c'est Chéral qui part. Et je me détache un peu du groupe, tu vois, j'avance à tâtons vers l'avant. Et puis du bout du pied, je pousse, je pousse la porte. Et tout de suite, je reviens en arrière, en fait, me positionner avec les camarades et reprends la pose. Ok, tu constrike. Okay. Alors c'est évidemment, hein, donc tu pousses la porte ne branle pas du tout, en fait, elle ne bouge pas. Ah, fais chier. Ah, du coup, je pose mon arc. Et puis j'avance. Tu mets au sol ou tu passes ça ? Ouais, non, je le pose au sol en fait. Surtout bougez pas. Prends bien ton temps, quoi. Surtout bougez pas, j'arrive, je reviens. Et puis je vais à la porte. Et du coup, je vais regarder, il y a peut-être une poignée. Alors, il n'y a pas de. En fait, t'as pas vraiment de poignée, t'as deux arceaux. Et puis t'as surtout une serrure lourde et épaisse, quoi, en métal. C'est assez. Assez brute, quoi. Rien de il faut très, la pousser ou fin, la quoi. Tirer. Ah bah c'est toi qui vois, en fait, c'est à toi de voir. Bah écoute, je vais essayer de la pousser déjà dans un premier temps. Tu vas la pousser, d'accord. Tu me fais un débat. Un débat. Faut que je sorte m'aider.
11. 11. Donc 11, je te rajoute ton modificateur de force. Hein. J'imagine que tu vas mettre un peu de poids dessus quand même. Écoute, la porte ne bouge pas. Elle ne frétille pas, enfin, elle ne vacille pas. D'accord. Alors je vais la tirer. Ok. Ouais, vas-y, vas-y. 12. 12, non. Rien ne se passe, pareil, tu ne. Rien. La porte reste stable. Et voilà. Elle ne vacille pas. Ok, alors dans ce cas-là, je vais prendre les anneaux. Et puis je vais essayer de les tourner, de les vriller un peu comme si c'était une poignée, cet anneau. Mmh. Alors, t'essayes ça, je te dis tout de suite, en fait, rien ne se passe. D'accord. Clairement, ils sont juste, en fait, les anneaux sont dans une espèce de gouant en métal qui sont cloutés à même la porte. Donc, du coup, en fait, tu peux pas les tourner. C'est pas comme si c'était des poignées. Je paraphrase littéralement. Donc, tu sais, je commence à sentir le regard peser sur moi derrière. Ouais, là, je jette un œil de temps en temps, je les vois, ça commence à durer. Et du coup, tu vois, je me décide et je m'y résous et je frappe à la porte, tu sais, trois gros coups. Et puis du coup, je cours rejoindre mes collègues, je ramasse mon arc et je me mets en position. Ok. Donc tu tapes. Je toque à la porte. Brum, brum, brum. Tu reviens comme ça à ta position. Puis tu sais, je lance un petit clin d'œil. Pendant une petite seconde, peut-être une minute ou deux, et tu entends. Et rien ne se passe. J'ai entendu trois coups ou j'ai entendu juste quelqu'un se déplacer? Ah non, t'as entendu trois coups profonds. Voilà, extrêmement. D'ailleurs, là, tu sens quand même à travers ces coups, en fait, il y a un tout petit peu de poussière qui a l'air de tomber en fait de la marche supérieure de la porte. Tu sens que ça, a pris un peu de poids, quoi. Les autres hein, sont toujours dans la même pose. Hein. Ça fait les autres sont dans la même pose. Hein. Du coup, je repose mon arc. Je vois que je vois qu'il y a personne qui bouge. Vraiment au sol, on revient. C'est ça, ouais, je leur pose. Voilà, putain, ouais. C'est toujours c'est le même qui s'y colle. C'est bien, non, mais c'est bien, c'est consistant. Voilà, et puis je me déplace vers la porte. Et puis du coup, cette fois, je tape un petit rythme, tu sais. Tac, 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 tac. Puis je reviens me mettre en position. Okay. Et tu sais, toujours. Avec toujours l'espèce d'assurance, tu sais que c'est la dernière fois que j'aime me déplacer. Ok. Du coup, je jette un petit clin d'œil complice à mes comparses. Ok. Pareil, rien ne se passe pendant à peu près une minute ou deux. Et puis tu entends... Et dans le dernier poum, la porte en fait s'éclate devant toi, et derrière ça tu as un geyser de feu qui finalement se répand dans la pièce. Donc je vais vous demander tous de me faire un saving throw pour savoir si vous allez éviter le premier assaut du dragon. Genre là on est carrément. Genre là on est calciné en mode cartoon, quoi. Là en fait déjà il y a plusieurs choses, quoi. C'est que ton saving throw va soit éviter la flamme, en fait, voilà, le brasier du dragon, ou la porte, parce que du coup la porte s'est fait complètement éjecter en même temps. Donc du coup il est possible que la porte ratisse l'un d'entre vous, en fait, la plaque au mur ou la somme, quoi. Ou alors que le feu en fait vienne vous toucher, quoi. On a intérêt à faire un super saving throw. Saving throw. Toc toc toc. Saving throw, je vais te le faire en simple. C'est un D20 et c'est. Quel est mon modificateur dessus? Alors pour le coup, c'est la dextérité. C'est la dex. Ok. Allez, je place beaucoup d'espérance en ce jet. S'il y en a un qu'il faut réussir ce soir, je pense que c'est celui-là. T'as combien? 2. 2, très bien. Donc 2 plus 3, 5. Parfait. Donc évidemment, en fait, donc dans le dernier, on revient genre une petite seconde avant, et de la tombe, tourou, tombe, tombe.
Et la porte, en fait, se dégonde et soufflée par le feu qui la pousse, finalement. Et c'est à peu près la dernière chose que tu vois, en fait, avant clairement de te la manger. Tu vois vraiment la porte qui se ramène vers toi. Et puis tu vois même le détail de la fibre du bois avant que tu viennes te faire finalement pousser tout au fond de la pièce, quoi. Et te faire écraser non seulement par le poids de la porte, mais aussi par le souffle de feu. La puissance des flammes et le... Ouais. Donc tu vas me faire un D6 en dommage pour savoir combien tu t'es bouffé. 3. 3, ça me paraît assez correct. Donc pour le coup, j'étais 3, à 12. Oui, tu étais à 12. Et chez elle, donc 3, écoute, ça te fait un 9. Ça reste quand même sympa. Par contre, je vais te faire sauter, allez, au moins un tour, un petit peu en... Voilà, t'es assommé, quoi, clairement. Donc t'as un tour, vraiment, tu es dans le chaos. Après ça, Miles, tu me fais le saving throw de Miles. Alors Miles, j'ai pas les stats pour les autres, alors je te laisse. Alors Miles il fait 12. Il est en 12, mais en dextérité, il est en 5, si je me trompe pas. Halflings, ouais, c'est ça. 5, donc sors-moi ton D20. 12, bah 17, ouais, c'est pas mal, quoi. Donc du coup, Miles, bah, tu explique-moi, fais-moi l'esquive de Miles pour que je sache un peu ce qu'il en est. Écoute, Miles, tout simplement, il s'était douté du truc. Et en fait, en loose day, quand il a entendu les coups, il a fait un petit pas de côté, tu vois, un petit pas chassé. Et puis il s'est juste dégagé, tu sais, doucement du champ de tir de la porte. Et du coup il est clairement sur le mur, il est adossé sur le mur sur le côté, et il voit toute la scène se dérouler devant ses yeux. Voilà, en disant, okay. Oh putain. Donc voilà, donc du coup petite esquive, le petit pas de côté qui a clairement évité seulement l'éclatement. Il s'est dégagé du groupe, en fait, sans que personne le voit. Enfin, sans que je le vois. Après, je sais pas ce que les autres vont faire. Si ça se trouve, tout le monde va réussir son saving throw. Tout le monde se sera dégagé. Possible, hein. Et il y aura moi qui serai resté devant la porte. Tout est possible. Exactement. Donc, parfait pour Miles, pas de problème. Après ça, nous allons donc avoir Sildar, s'il te plaît. Donc, Sildar, lui, Sildar... est une XT3. Sildar fait 2. 2. Donc, Sildar morfle. Là, pour le coup, toi, t'étais éjecté comme ça sur le côté. Sildar, lui, va plutôt prendre, en fait, tout ce qui va être flamme, en fait, vraiment le brasier même du dragon, quoi, pour le coup. Donc, ça, tu vas me faire. Je vais te mettre un modificateur là-dessus. Tu vas me faire un D6. Je te fais un plus 3. Allez, je te fais un plus 2 sur ton D6. 3. Ok, donc tu vas prendre 5 points en fait direct. Vraiment calciné, gros brasier. Donc du coup, Sildar qui avait 12 lui aussi, hein, si je me trompe pas. Donc va prendre. J'ai dit 6, on a dit 6 ou 5 ? Pardon, excuse-moi, je crois que j'ai pas un peu le 5, fond. Tu as fait 3 5. Plus 2. Donc pour le coup, tu vas être à 8 pour Sildar. Alors, pour le coup, alors, tu vois, il se fait clairement embraser comme ça, il est là, et puis il essaie de. Tu vois, il se roule par terre, il essaie de se calmer. Pareil, hein, je vais lui enlever un tour parce qu'il va être toujours dans la panique, essayer d'éteindre le feu finalement. Alors, tu sais, je vois bien le truc hollywoodien, tu sais, c'est genre. Il est plein de suie, et puis tu sais, il se frappe comme ça, il s'essuie, et puis tu sais, ça part très très facilement, en fait, tu sais, genre, au bout de ce tour, en fait, il finira par ne plus avoir de traces du feu, alors qu'il était noir de suie. Par contre, il n'a plus un poil, il n'a plus un cheveu, donc ça sent clairement le cochon brûlé. Il a plus de sourcils, il a plus de barbe, plus de cheveux, plus rien, voilà, voilà. Ouais, c'est ça, on a une espèce de, tu sais, d'aspect un peu moine. Blue man. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Blue man, mais sans la couleur. C'est ok, ça. Donc du coup, vraiment le plus imberbe possible. Ouais. Quoi. Ok, pas de problème, donc ça, Sildar, c'est cool. Donc lui, on a dit, il était à 8. Oui, 8, ouais, c'est ça. Ok, et parfait. Et donc, pour le coup, ton druide, pour le coup, le druide, je vais lui donner les stats d'Echerel aussi. Lui, en esquive, en saving throw, il va avoir une dextérité de 5, ce qui est pas mal.
Vas-y, lance-moi ton débat. 17. Parfait. Ah, écoute, tu décris-moi comment il esquive, en fait. Bah écoute, ça va être de la même manière que... C'était qui ? C'était Miles qui s'était esquivé. Ok, de la même manière, en fait, il voit Miles commencer à esquiver un pas, il se dit c'est pas con. Et en fait, et il se dit c'est par contre les autres sont plutôt cons. Et il fait un pas de côté, mais de l'autre côté de la pièce, du coup. Okay. Parce que dans la structure de formation du groupe, il était plutôt à l'opposé. Du coup, il fait un petit pas de côté, puis il se retrouve en fait en face de Miles, mais à l'autre bout de la pièce. Et il voit l'espèce de charnier au milieu, et puis il échange un regard avec Miles, tu sais. Au moment où tout s'est tout fait, enfin le feu se dissipe et tout, et tu sais, en disant oh putain, on a évité le truc quoi. Ouais, ok, cool. Donc du coup, parfait. Donc vous, Miles et le Dovier, donc clairement évité la première attaque du dragon, alors que Cheryl s'est mangé la porte et a dégagé à l'autre bout de la pièce. KO, et pour le coup, Sildar est toujours au sol en train de se débattre. Parfait. Alors pour le coup, le dragon a clairement eu son attaque, hein, donc ça va être à vous. Puisque vous avez eu votre saving throw. Non, c'est bon. Vous avez maintenant. C'est un tour d'initiative réagir, maintenant, non ? Se fasse comme tu veux. On peut se jouer à l'initiative, ou alors il a l'initiative. Non, parce que l'initiative, elle a été au dragon en fait. C'est lui qui a décidé d'attaquer. Vous avez évité. Je te donne la possibilité de réagir. Alors, en fait. Dans ce cas-là, on va réagir et c'est tout de suite. Du coup, le druide. Druide et Miles. Hein, donc c'est Redoff et Miles qui vont réagir. Voilà. Va falloir que tu me donnes des précisions sur le druide. Donc Miles. Mm-hmm. Miles va. Enfin, tu vois, au moment où le feu se dissipe, il va tout de suite diriger son regard vers la porte. Alors je sais pas ce qu'il y voit. Il y voit, est-ce qu'il voit la tête ou est-ce qu'il voit une patte ? Je te donne une perception clean. En fait, donc du coup, il voit un tout petit dragon d'un mètre. Va jeter un petit coup d'œil comme ça, et surtout, bon, il va s'apercevoir à peu près de la taille de la tour. Et c'était pas très évident de l'extérieur de s'en faire vraiment une idée. La tour fait à peu près une centaine de mètres de diamètre. D'accord. Donc c'est quand même une tour assez large. On va dire que les 15 premiers mètres qui rentrent dans la tour, en fait, elle est parsemée de piliers équidistants qui tournent comme ça un petit peu en circonférence, quoi. Comme s'il y avait, il y avait une espèce de cour interne. Cette tour a finalement un sol en pavé en grande pierre taillée. Et puis tu as beaucoup de décombres en fait de la tour, enfin tu as des pierres qui sont tombées, enfin du sommet finalement de la tour qui s'est écrasée, et tu as des poutres de bois, tu as des escaliers en bois qui s'arrêtent, qui eux aussi sectionnés, brisés, etc. Et puis au milieu de cette salle, tu vois surtout cette créature qui est là, qui maintenant commence à prendre un petit peu de faire quelques pas en arrière. Le dragon, pour te donner une idée, le dragon vert tel qu'il est. Alors, je sais pas si d'ailleurs j'ai une description spécifique là-dessus. C'est, il te donne une description même du dragon. J'imagine bien le dragon. Hein, c'est. Alors, bouge pas, poulet, parce que pour le coup, est-ce qu'il a. Eh bien, écoute, je n'ai pas de description physique à proprement dit dans le. Dans le script, mais je vais te le donner tel que je le sens. Donc le dragon, hein, pour moi, il fait à peu près, il fait à peu près une quinzaine de mètres de long, d'accord. Donc c'est quand même un bon gros lézard, tel qu'il est décrit. Hein, donc pour le coup, vraiment une peau carapacée avec des espèces de pics, hein, qui sortent chaque petite, section de sa carapace, hein, sur son dos comme ça. De grandes pattes acérées de crocs, hein, d'ailleurs. Et puis il peut se tenir sur ses pattes arrière, ou voilà, être à quatre pattes. Il a des ailes qui sont un peu assez proches d'espèces de ailes de chauve-souris. En fait, il a des sections, de cartilage ou d'osseux à travers cette espèce de toile, hein, qui s'occupe, enfin, de cette peau qui recouvre ses ailes. Et puis il a des crocs de chaque côté. Et puis le cou, hein, lui pour le coup, est acéré d'espèces de pointes en fait qui se déroulent tout au long de sa neck et sa nuque. Et puis voilà, et puis c'est vrai que son visage est assez long, et puis tu as ce nez un petit peu étonné, un peu une espèce de
comment dire, d'hippocampe, quoi. Tu vois ce que je veux dire, cette espèce de grand nez allongé, puis surtout t'as ses dents qui sont bien acérées, et puis voilà, et puis ce regard un peu prédateur, quoi. Jaune, des yeux jaunes, bien acérés, quoi. Et puis sur son cou, en fait, tu vois un peu à travers, en fait, sa, en fait, à travers de sa gorge, en fait, tu vois des espèces de tranchées, en fait, espèce d'ouverture comme ça, puis tu vois en effet que à travers ça tu sens que le feu en fait vient de cette de son torse, quoi. Tu vois une espèce de lumière en fait rougeâtre qui émane de ces petites comme s'il avait des ouïes en fait, et puis ça charge en fait avant que qu'il se voilà qu'il réponde une nouvelle slave en fait. Voilà, donc ça c'est. Donc là il est en recharge. Donc là pour le coup il est derrière, voilà, il est là, il se remet en position, il prend un peu ses et puis voilà, tu l'entends, il absorbe vraiment l'air en fait, l'oxygène de cette pièce là pour essayer de voilà de nouveau se préparer, et puis tu sens que c'est ces niveaux de recharge de feu enfin, commence à remonter, quoi. C'est à peu près ce que tu vois maintenant. Tu vois aussi mal, je peux voir un petit peu qu'au fond de la pièce, peut-être là où le dragon dort, où il a fait son nid pour son coup, il y a pas mal d'éléments, il y a pas mal d'artefacts, il y a pas mal de choses qui ont l'air de briller un peu dans le fond. Il y a des coffres, il y a des objets d'intérêt en tout cas, qui pourraient, en tout cas peut-être des objets de valeur que vous pourriez peut-être profiter. Si bien vous êtes victorieux, rencontre. Ok. Voilà. Mais je te laisse décider. Parfait. De ce que tu veux faire. Alors, j'ai juste besoin de savoir, est-ce que le druide a des capacités particulières ? Enfin, parce que je vois qu'il peut se transformer. Alors oui, pour le coup, donc le druide peut se transformer en n'importe quel animal ou insecte de la forêt. Donc du coup, tu peux choisir, en fait, il peut, un peu sans vraiment limitation, hein, il peut se métamorphoser, en fait, et passer inaperçu, si besoin. D'accord, et il a des pouvoirs type boule de feu, genre de truc, ou pas du tout ? Alors non, pour le coup, il est un peu plus homéopathique, hein, comme druide, il est plutôt sur la transformation, mais pas trop sur l'utilisation de mana, la côté défense ou combat. Il est un petit peu plus un pacifique par nature, donc du coup il n'a pas vraiment de grande capacité de combat à part entière. D'accord. Alors, donc Miles pour son tour, tu sais, va donc il voit en partie le dragon à travers la porte et tout, il réalise que c'est une tâche complètement c'est même suicidaire en fait de s'attaquer à ce dragon. Du coup il va passer son tour à faire des appels, tu sais, du regard au druide, à Redoff, tu sais, genre en insistant, genre mais fais quelque chose et tout, enfin tu vois, genre agis, tu vois. Et il va passer son tour à faire ça avec des appels, tu vois, du regard. Et Redoff, tu vois, va du coup passer la moitié de son tour à comprendre le truc, à se dire mais qu'est-ce qu'il attend de moi et tout. Et puis au final va essayer d'improviser quelque chose. Pareil, voyant la situation dégénérer, enfin tu vois, il s'attendait quand même à ce que l'équipe qui l'embauche, qui recrute, soit quand même. Enfin, tu vois, puisse faire face à la situation, il se rend compte qu'il y a déjà la moitié. Voilà, il se rend compte qu'il y a déjà deux sur trois qui sont déjà à terre. Du coup, il se dit bon, je vais essayer de faire quelque chose moi aussi. Et puis, on va essayer de broder. Okay. Et puis, du coup, il va essayer de se transformer. Alors, j'imagine que tu sais, à travers la porte, il voit en partie le dragon, mais le dragon ne les voit pas forcément tous. Enfin, tu vois, ils sont. Donc, du coup, il va essayer de se transformer. C'est ces colonnes qui obstruent un petit peu le. Qui peuvent obstruer un peu la visibilité. Hein. Donc il va essayer de se transformer, il va passer son tour à se transformer en une espèce de petit. Est-ce qu'il peut construire quelque chose, enfin morpher, il morphait un animal, ou est-ce qu'il est obligé de. C'est vraiment un animal spécifique. Alors, animal ou insecte de la forêt. Mais il peut pas faire un morphing d'un animal et d'un insecte. Tu veux dire un hybride ? Ouais, un hybride, ouais. Non, il faut que ça existe. Il faut qu'il puisse avoir une référence stable. Il peut pas trop. Il peut pas être trop créatif. C'est, en gros, c'est ça. Alors, il va se transformer en petite iguane. De la forêt.
Un peu tropical ton iguane, non? Okay. En gros lézard de la forêt. Ah, tu peux te transformer en salamandre si tu veux. Je peux ouais, en salamandre. Écoute, une putain, grosse salamandre. Une grosse salamandre, c'est parfait. Parce que la salamandre. Et puis tu vas voir ce que je vais en faire après. Je t'ai donné une bête d'idée là. Bon, ok, bon, c'est pas grave. En grosse salamandre. Salamandre. Donc, du coup, tu sens qu'il se concentre comme ça, puis c'est la même chose, flash de lumière, et puis le dragon d'ailleurs est un petit peu ébloui, toi, puis il regarde comme ça, et tout ce qu'il voit, c'est cette espèce de petit lézard qui se carapate comme ça. Alors, j'imagine, tu rentres dans la pièce ou pas? Ou tu restes. Bah, en fait, il va se foutre au milieu, tu vois, enfin, il va ramper un petit peu, et puis se mettre, tu vois, enfin, se montrer un peu dans le champ, mais tu sais, timidement. Et puis, en fait, il va finir son tour en disant. Maman. Ok, alors pour le coup pas de problème. Donc pour le coup, donc t'as fini ton tour, ça va être au dragon finalement de réagir quoi. Et ben écoute, pas de problème. Alors pour le coup, on va faire ça comment? Je vais te faire ça en deception, charisme. Tu vas me faire un D20 et tu as un modificateur de plus 5 pour tout ce qui est deception, donc tout ce qui peut être un peu leurre et mensonge ou intimidation. Samy, c'est toi? Alors bouge pas, attends, je te mets de DC quand même. Je mets DC. Ok, vas-y. Balance ton D20 et on va voir si ça passe. 18. Ok. Donc clairement, tu arrives comme ça. Voilà, sous un peu, même sous le bac du dragon quasiment, donc là en effet. Maman! Et puis le dragon, d'un coup, je vois, il te regarde. Puis il descend sa tête comme ça. Alors, la tête qui est clairement géante, hein, comparée de cette petite. De ce petit lézard, salamandre. Puis il nous regarde, fait. Sniff, tu vois. Et puis là, tu sens que les iris en fait de ses yeux se dilatent complètement et d'un coup il rétracte ses griffes comme ça, ça lui laisse juste des pattes vraiment presque molles ou douces ou rondes en tout cas. Et puis là, et puis il t'entoure en fait. Et puis il commence à ronronner. Donc clairement tu l'as persuadé. Allez, on sort de là. C'est plié. T'as autre chose? Alors pour le coup, hein, j'ai envie de juste un tout petit peu insister sur ce qui brille au fond de la pièce. Il y a pas mal de choses hein, qui sont susceptibles de vous intéresser. Je te fais une petite description de ce qui pourrait être dispo. Au fond de la pièce, tu as des coffres en bois qui sont ouverts et qui ont l'air de faire paraître hein, certaines pièces d'or, des pièces d'argent. Alors, je te parle pas mal, hein. Je te parle 150 pièces d'or, je te parle 800 pièces d'argent. Hein. Tu as des gobelets en or aussi, incrustés de pierres précieuses. Tu as des parchemins roulés. Alors les derniers parchemins que tu avais trouvés, c'était les parchemins de ce magicien qui vous avait un peu dupé. Hein. Alors il y a des inscriptions qui sont là-dessus. Et puis voilà, puis après ça, des artefacts un petit peu de voilà, des objets un petit peu divers et variés qu'il aurait pu collecter. Voilà, il n'y a pas obligation de confrontation, hein, bien évidemment, si vous décidez de dégarpir, c'est très bien. Par contre, pour le coup, lorsque tu as réveillé l'instinct maternel du dragon, enfin clairement, tu. En gros, le druide il reste. Hein. On est d'accord qu'il va pas laisser passer. Voilà, il va rester. Bah, le druide il sait qu'il est, il est mal en plan là. Bah, là pour le coup, ouais. Enfin, tu sens que il va, en tout cas, peut-être attendre que peut-être que le dragon s'endorme. En tout cas, pour essayer de se tailler parce que. Bah là, il est un peu bloqué. Bon, ouais. Il peut pas se changer tout de suite parce qu'il se ferait défoncer. Problématique puisque le problème du dragon n'est pas vraiment réglé à part entière. Bah oui, nous on avait besoin du druide. Mais écoute, il n'y a pas. Enfin, vous pouvez le laisser. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez. Ok. Et vis-à-vis de nous, hein. Il n'a pas d'agressivité. Enfin, je veux dire,
Oh bah non, là, parce que pour le coup, là, vraiment, enfin, Hilda clairement, complètement focalisé sur la petite salamandre. Il vous oublie, enfin, vous n'êtes plus un danger, en fait. Même il a complètement dorloté, finalement, il la protège presque. Il vous prête pas forcément attention alors qu'il est, quoi. Il pourrait être vulnérable, même, j'ai envie de dire, mais il montre pas d'agressivité. Il est clairement distrait, quoi. Très bien. Je pense quand même qu'on va donc du coup enfin il y a forcément Echerel qui se relève lui aussi du coup, voilà. À son tour maintenant des décombres. Sildar, donc pareil, il il s'épousse un peu, il se relève et puis il découvre la scène du coup. Du coup, j'imagine que il se fait un peu expliquer ce qui s'est passé à coup de regard, tu sais, entre Miles et lui. Alors des regards qui mettent un certain temps quand même à comprendre. C'est un peu difficile à expliquer. Tu vois, clairement, tu vois, Miles est en train de mimer. Tu vois ce que j'ai fait. C'est ça. Et ça fait vraiment alors aucun sens. Même si là il fait là, il est où le druide? Puis ici, tu vois. Et voilà, ça fait pas beaucoup de sens pour ces deux compagnons qui viennent de sortir d'une. Alors, leur trauma, du coup, peut-être qu'au bout de quelques longues minutes, ils finissent par comprendre que c'est la salamandre, c'est le druide. Et puis du coup ils vont se concerter, tu vois, genre, en chuchotant, tu vois, on est quand même dans la merde parce que l'histoire c'était de buter le dragon pour que le druide nous fasse traverser cette ville, Thunder Tree. Vous concertez, vous discutez de tout ça. Alors à voix basse. À voix basse, donc ça va être un peu ton action. Ça va être l'action de tout le groupe. Tout le groupe à voix basse. Des trois personnages. Et pour le coup, voilà, ils expliquent ce qui se passe. Et en fait, le dragon se déplie, enfin se déroule comme ça, prend son bébé, on va dire ça comme ça, prend sa petite salamandre dans la bouche comme ça, et étend ses ailes et commence à prendre un petit peu de la pluie dans les airs et commence à remonter au niveau de la tour. Donc les pattes vraiment se déplient, se lave du sol. On voit la salamandre se soulever du sol avec un regard complètement désespéré. Dans la bouche du dragon, maintenant qu'il pense que c'est son bébé. Et en fait, le dragon sort comme ça un peu en vertical de la tour et puis il tourne une fois, deux fois autour de la tour et puis il s'en va comme ça un petit peu à l'horizon. Je pense qu'on a tous décelé, tu sais, l'espèce de détresse complètement absolue du druide. Il s'est retrouvé bloqué dans cette situation grâce à Miles. Coup, clairement kidnappé. Alors maintenant, on va dire que c'est que pour le coup, la zone est libre, hein, quelque part. Ouais. Vous pouvez en effet accéder au trésor. Donc, effectivement, il voit la zone se libérer, mais il voit aussi leur espoir de. Et puis, tu vois, l'objet de des chuchotements s'en aller, quoi. Parce que du coup, il était question de peut-être essayer de négocier avec le dragon de. Tu vois, en échange d'avoir rapporté son enfant, de faire sortir le groupe de la ville. Ah oui, non, trop tard. Mais trop tard. Ça n'arrivera pas. Donc du coup, voyant ça, tu vois, il y a... Miles, tu sais, qui tout d'un coup, ne perd pas le nord. Je crois qu'en fait, il n'y en a aucun de nous qui perd le nord. À ce moment-là, tu sais, on tilte assez rapidement que... trésor plus de dragon et puis genre c'est la course effrénée jusqu'au tas de pièces brillantes et du coup on va aller plonger dedans, tu vois, et puis essayer de regarder un peu ce qu'il y a, sachant que j'avais oublié. Et on a oublié tout à l'heure, mais il y avait aussi Rogue. C'est vrai. Ouh, on a oublié Rogue. On va dire que Rogue était dans mon dos et qu'il a été propulsé. Écoute, avec moi. Ouais, on va l'aligner sur Echerel. D'accord, on va lui faire ça. Tu me fais un
Bon, et c'est de ma faute, donc du coup, je vais pas lui mettre de pénalité de points. Ouais. Mais alors, bon, voilà, il a suivi Cheryl. C'est ça. Et Rogue, en fait, va lui foncer sur les rouleaux de papier qu'il a vus, qui ressemblent assez au parchemin, en fait, sur lesquels il a appris déjà quelques tours de... Enfin, un tour de magie. Alors, attends, bouge pas. Que je me recale un tout petit peu là-dessus. Pardon. Alors, est-ce que tu peux me répéter ce que tu viens de me dire ? Donc, Rogue va foncer plus particulièrement sur les parchemins. Les scrolls, ouais. Okay, voilà, c'est ça exactement. C'est ça. Ok. Alors, pour le coup, pour le. En fait, on va apercevoir Rogue, en fait, fouiller ses parchemins. Et en fait, la scène, c'est tu vas nous voir tous les trois. Nous retourner, tu sais, les poches débordantes de pièces, peut-être en tenant des espèces de coupes, hein, de calices, pareil, débordants de pièces, avec des colliers autour du cou, peut-être deux couronnes chacun sur la tête, tout ce qu'on a pu trouver, tu vois, on s'est équipé avec. Et puis trois rois de rien du tout, en fait, qui se retournent et puis qui regardent Miles, qui lui n'en a rien à faire de toute la richesse matérielle, en fait, et qui plutôt est dans les papiers, dans les rouleaux, voilà. Ok. Donc pour le coup, donc vous vous en foutez plein les poches. Vous avez réussi d'ailleurs à vous vider hein, carrément les coffres. Hein. Rogue, pour le coup, lui trouve deux parchemins. De parchemin qui pourrait s'apprêter à une pratique de magie. Le premier sera le parchemin des pas brumeux. D'accord. Je vais te dire ce qu'il en est dans une petite minute. Et le deuxième sera le parchemin de la boule de lumière. Donc le pas brumeux, si je me trompe pas, ça va être une possibilité de soit créer du brouillard pour vous dissiper, soit simplement disparaître sous les yeux de son opposant. Alors que la boule de lumière, bah, clairement, c'est faire un jet de lumière en fait, qui peut aveugler ou on va dire, affecter, heurter un opposant aussi. Mmh. Donc ça va être des possibilités de sort qu'il va pouvoir développer. Je vais te donner en fin de partie les composants de ces sorts, à savoir comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés, combien de fois tu vas pouvoir les utiliser par jour, et quels sont les... on va dire s'il y a une sémantique verbale ou gestuelle qui s'en accompagne. Maintenant, il prend les deux ou il faut qu'il en choisisse un seul? Non, tu as les deux, okay. Non, pas de problème. Maintenant, il va falloir voir hein, si en effet ces sorts sont accessibles à son niveau ou pas aussi. Maintenant, alors que clairement, tu sens que vous en mettez plein les poches, alors bon, ça fait, bon, on va dire qu'entre le dragon qui a clairement éclaté la porte, l'ascendance dans les airs, le bruit des pièces d'or et tout ça, ça évidemment, vous n'avez pas été très très discret en fait. Et on va remonter une petite minute dans le temps en fait, où le dragon clairement se détache hein, de la tour et puis s'envole comme ça. On va voir cette vue, mais vue d'un autre angle en fait, où finalement le dragon s'éloigne un petit peu comme ça, et puis au sol tu vas avoir un certain nombre de corps qui vont commencer à regarder en fait en direction de ce dragon. Ce sont des corps qui sont assez désossés, qui ont on va dire même des de space, mais en fait qui sont un petit peu désossés et qui poussent des espèces de rugissements un petit peu profonds et qui finalement enfin alors quand je fais des dés hein, je t'en parle là la vue elle t'en montre 5 ou 6 quoi et qui en tout cas comprennent qu'il y a une agitation au niveau de la tour et doucement une ascension, en tout cas une marche en direction de votre position. En attendant, c'est la fête dans la tour. Vous êtes toujours en train de vous en mettre plein les poches. Et je te laisse continuer. Bah du coup, alors on n'a pas d'appareil photo, donc on va pas perdre de temps à frimer. Enfin voilà, on est tous fiers d'avoir récupéré pas mal de trésors.
Du coup, on se regarde les uns les autres, on déconne un petit peu, on trinque avec les coupelles pleines d'argent, etc. Et puis on se dit, bon, bah, on va pas rester là non plus éternellement. C'est peut-être bien qu'on reprenne la route. On regarde un petit peu, tu vois, enfin, Rogue, tu sais, en se disant, putain, il a pas compris, lui. Et puis, du coup, on se dit, bon, bah, allez, il faudrait peut-être qu'on y aille. Du coup, on essaye tous de, enfin, tu vois, de mettre ce qu'on avait en main dans ce qu'on a de possible en sac. Évidemment, on prendra que ce qu'on peut prendre sur nous. Hein. Si ça rentre pas, ça rentre pas. Et puis, par contre, on va garder effectivement. Enfin, moi, je garderai autour du cou les différents colliers que j'ai récupérés avec des rubis, etc. Peut-être la couronne que j'ai chopée aussi. On garde cet équipement-là. Et puis on va sortir, tu sais, un peu bruyamment, tu sais, on marche. Alors ça, on n'a pas des éperons, mais tu sais, on cling cling cling, tu vois, en marchant, ouais, tu vois. C'est clairement. T'entends des petites pièces qui tombent aussi. Voilà, ça fait du, c'est la fanfare, quoi, clairement. C'est ça. T'as espèce de trois chevaliers en fait qui. Qui prend le lead? Écoute, je pense que je vais prendre le lead. Voilà. Ouais. Je pense que je vais prendre le lead, suivi de Miles et Silda. Et puis Rogue, qui lui derrière, beaucoup plus discrètement, va essayer de, enfin tu vois, est beaucoup plus alerte que nous sur la situation. Et puis qui montre un visage un peu plus inquiet, tu vois, un peu plus, tu sais, genre putain, ils font du bruit. En fait, c'est, tu vois, enfin, comment dire, c'est le personnage en fait le plus, le moins intelligent du groupe, qui est le plus, qui semble effectivement là dans cette situation là la plus responsable et la plus dedans, quoi. Alors pour le coup, donc tu avances, hein, comme ça, hein, tu mènes un peu fièrement, enfin presque victorieux, hein, même si bon, il n'y a pas bon, tu t'es fait un peu éclater direct aussi, mais bon, c'est bon, vous avez le trésor, vous avancez comme ça et tu sors un peu victorieux suivi de tes acolytes, et là en fait tu tout de suite en fait ton visage change d'expression d'une manière assez radicale assez vite, et devant toi, peut-être à une quinzaine de mètres, tu vois 5 énergumènes, 5 presque, je veux dire, même des silhouettes en fait, parce que leur corps est complètement calciné en fait. Ce sont des corps complètement brûlés, le visage complètement brûlé, tu vois à peine des yeux ou peut-être des dents ou une mâchoire détachée comme ça. Tu vois 5 zombies, alors ce qu'ils appellent des haches zombies, des zombies de cendres en fait. Qui ont été vraiment interpellés par votre brouhaha, quoi, votre cacophonie, et alors que finalement tu commences à comprendre que voilà, ils vous font un petit peu arc de cercle comme ça, ils vont essayer de peut-être être assaillants, et bien écoute, vous regroupez un petit peu, et sur la tour, derrière vous sur la tour, tu as 2 araignées géantes qui ont grimpé en fait de chaque côté et qui vont commencer à descendre comme ça derrière vous dans votre dos. À l'intérieur de la tour. En fait, vous êtes sorti, hein, de la tour. D'accord, donc elles sont sur la façade externe. Voilà, en fait, elles tombent finalement dans l'arc de cercle de la tour qui était caché à se mettre dans un champ de périphérie de vision, quoi. Du coup, elles descendent comme ça. Voilà, alors que vous faites face à ces 5 zombies. Alors, juste pour la géolocalisation, on est en haut d'une espèce de petite colline. Il y a une petite colline, voilà, tout à fait. Vous êtes en haut d'une petite colline, ouais. Et on est légèrement en retrait de la ville ou pas du tout ? Vous êtes un petit peu en retrait de la ville, tout à fait. Il y a une espèce de chemin, hein, qui était à travers la forêt, un sentier, hein, qui vous a mené à cette tour-là. Mais on va dire que clairement, les zombies de cendres, hein, sont sur ce chemin-là. Alors que derrière toi, tu as ces 2 araignées. Donc en gros, on va dire que le passage libre serait plutôt vers l'ouest, hein, vous avez un pan de forêt qui pourrait peut-être vous aider, bah oui, en fait, à fuir. Quand on va sortir et qu'on va faire face à eux, je crois qu'on va être surpris. On va pas penser à l'affrontement tout de suite.
Et on va on va tout de suite, tu sais, à l'unanimité, enfin partir sur le côté droit, enfin je sais pas où si c'est l'ouest ou l'est du coup sur la carte. Droit, on va tout de suite partir en fait pour éviter l'affrontement et puis partir vers la forêt en réalité. Ok. Alors pour le coup, hein, sache que en prenant cette direction, tu t'éloignes de là où tu devrais te trouver ou là où si tu décides de quitter la ville, en gros, tu vas aller dans le sens opposé. Hein. Donc du coup, tu remontes un petit peu sur tes pas. Vous vous engagez donc du coup un petit peu, vous prenez vos jambes à vos coups, vous engagez dans la forêt alors que ces araignées commencent à descendre, à toucher le sol et que ces zombies commencent à un peu. C'est presque comme s'ils étaient aveugles, tu vois ce que je veux dire. En fait, ils suivent simplement le son des pièces qui tombent et les gobelets de pierres incrustées qui sont derrière vous. Enfin, il y a une traînée de trésors qui vous suit comme ça. Et en effet, tu traverses cette zone de forestière, quoi, finalement, qui est assez touffue, mais vous faites votre chemin comme ça et puis vous dégagez de l'autre côté, en fait, sur le chemin que vous avez pris initialement pour votre. L'arrivée dans la ville, et vous sur votre droite vous avez un bâtiment hein, qui est finalement le, si je me trompe pas, la taverne donc qui s'appelle The Brown House, qui elle aussi avait été clairement dilapidée en piteux état, quoi. Vous pouvez décider si vous le souhaitez de rentrer dans le bâtiment pour vous y cacher ou alors de continuer votre chemin. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter. On va reprendre notre souffle, tu vois, on a couru comme des dératés. Surtout qu'on est bien chargé, on va s'arrêter, on va reprendre notre souffle et on va se retourner pour regarder si on a mis de la distance entre nous et nos assaillants. Ok. Alors, vous... tiens, tu me fais un des 20 pour la perception. 2. Hein, tu vois donc... tu vois pas grand-chose, quoi. Clairement, enfin, la forêt est assez épaisse. Vous avez traversé la forêt, voilà, vous êtes toujours un peu bruyant pour prendre votre souffle. Et en fait, derrière vous, en fait, au niveau de la taverne, en fait, tu entends qu'il y a des agitations, en fait, comme s'il y avait des espèces de corps qui essaient de passer la porte. Et d'ailleurs, il y en a un qui traverse la porte presque, pourri, en fait, avec le temps et la végétation. Et tu vois de nouveau un zombie de cendre qui tombe comme ça au sol. Puis tu en as un deuxième qui l'enjambe, enfin, qui marche dessus, quoi, quelque part. Et qui s'engage en votre direction, quoi. Tu as à ta droite, soit tu dépasses ce zombie, alors je sais pas s'il y en a d'autres pour le coup dans la baraque, soit tu passes par la droite, tu remontes le chemin et tu reviens de là où tu viens originalement, soit tu redescends le chemin, hein, et puis c'était un petit peu le chemin qui t'avait mené au druide, qui part un peu plus vers le centre de la ville. Clairement, enfin, ce zombie il marche en ta direction, il pousse des cris, enfin des cris de souffrance, hein, et tu entends que d'ailleurs ce cri commence à un petit peu à se donner écho, un petit peu partout, en fait, autour de toi, espèce de répondant, en fait, ça crée une forme d'agitation. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a pas fait tout ça pour rien, pour revenir sur nos pas. Puis tu entends derrière. Ouais, en fait, c'est vraiment à 360, hein, le bruit qu'on entend. Ok. Ouais, ça commence à s'agiter. Ouais. Du coup, bon, bah, faudrait peut-être peser nos couilles sur la table et puis y aller, quoi. Et puis, c'est peut-être le moment. Ouais. C'est peut-être le moment décisif. Ok. Et puis du coup, je pense que Cheryl va, sortir dégainer son épée. Et puis va regarder un peu les autres, tu sais, l'air de dire c'est le moment. Et puis du coup, je pense que les autres vont très vite comprendre. Donc Sylda va dégainer son épée aussi, et Cheryl va encocher une flèche. Et puis Rogue, comment il se sent? Est-ce qu'il Rogue, sent de se faire un petit nuage ou c'est trop tôt? Il va falloir qu'il apprenne le sort là. La prochaine fois, ça va être un peu tôt. Surtout qu'il a grillé sa cartouche pour essayer de t'influencer, c'est-à-dire qu'il pourrait influencer le zombie. Hein. Okay. Mais là, non, là, non. Il est sec là. Rogue va sortir sa dague. Donc, le premier zombie va en ta direction, enfin, clairement, il est proche de toi. Qu'est-ce que tu fais, Cheryl?
Et du coup, bah écoute, je vais faire tourner mon épée, je vais fendre l'air devant moi, la faire tourner, et puis foncer un petit peu avec un espèce de coup à la, ouais, à la Witcher. D'accord, là, que petit spin sur toi-même. C'est ça, un petit spin, voilà. Ok, très bien. Donc parfait, tu me fais un D20, s'il te plaît. 15. 15, parfait. Et tu vas me donner un. Donc tu vas avoir strength. Tu vas être en. Papalapala. Donne-moi une petite seconde. Cheryl. Non, hop là. Folk Hero. Plus 15 2 en plus. Plus 4. Plus tu 4. Me fais un 19. Clairement, tu le touches. Hein. Tu vas me faire un. Donc là, tu es en quoi? Tu es en crossroad. Tu vas faire un 4 en fait. Donc du coup, soit tu veux tu quoi, tu veux jeter ton 2D6 ou tu veux en... Ouais, vas-y, jette-moi 2D6. Allez, je jette 2D6. Oh merde. Donc là, il y a un 5 et un 1. 5 et un 1, donc 6 plus 2. 6, 7, 8, ok, très bien. Alors, bouge pas les tacs, ok, donc là, tu vas clairement... Tu lui enfonces hein, ton épée. D'ailleurs, tu peux me décrire l'action. Enfin, clairement, tu le touches, tu l'assailles assez violemment. Je le bute ou pas, ou je le blesse? Non, tu le butes pas encore. Non, tu l'atteins assez mal, mais tu le butes pas. Ok, bah écoute, je pense que je coupe une partie. Et du coup, il y a une partie du peut-être que tu vois, au niveau de l'épaule, du bras, je tranche. Ça glisse, c'est la partie glisse. Et on voit l'intérieur rougeoyant de la créature. Ok. Qui est alors noirci par le feu. Tu l'as clairement assailli hein, comme ça. Mmh. Et d'un coup en fait après ton attaque, la créature émet une espèce de pousse de nuage de germes, enfin espèce de comment dire comme si elle avait réagi en fait. Elle détache des spores en fait. De suite qui se répand autour d'elle presque comme une espèce de réaction immunitaire quelque part, et il va falloir que tu me fasses un D10 pour savoir si tu évites en fait ces spores et si elles vont te corroser ou si elles vont te poser un dommage. Il va falloir que tu me sortes un D20 en fait pour un D20 ou un ouais. D20 pardon, parce que un D20 ouais. 11, donc parfait, donc du coup tu t'évites, hein. Donc tu clairement assaillis, elle a répandu ses spores comme ça autour de toi et tu as réussi juste à t'éviter, à essayer de. Ah, j'évite de prendre ta petite esquive. Ouais. Voilà, donc tu veux clairement, alors que bon, tu attaquais les premiers, en fait on a d'autres hein, qui commencent à commencer un petit peu en vous entourer. Je pense que logiquement tu commences à comprendre que l'attaque à distance est peut-être la meilleure des options à prendre plutôt que peut-être le combat au corps à corps. Enfin, je le conseille parce que du coup ça va être des réactions assez, assez systématiques. Si tu l'attaques de trop près, en fait. Ces zombies vont, comme c'est des zombies de cendre, en fait, tu comprends que ce sont les anciens habitants de la ville, en fait. Il y a une effusion, il y a une espèce de volcan qui les a complètement engloutis. Et donc, du coup, ce sont les zombies, en fait, de celui-là. Mais ils ont toutes ces spores sulfuriques, quoi, quelque part, un peu qui réagissent à chaque fois qu'ils se font attaquer. Ça marche. Cool. Écoute, comprenant ouais, ça, tu sais, en faisant son petit tour d'esquive, t'es son petit, en esquivant l'espèce de jet de sporulation. Et Cheryl, du coup, en comprenant ça, bah, pendant qu'il est en train de tourner sur lui-même, tu vois, il y a son épée qui se range dans le fourreau, en fait, dans un geste assez assez chorégraphique. Et du coup, tu vois, il s'apprête certainement à terminer son spin, tu vois, avec l'arc dégainé, tu vois, et certainement deux flèches encochées. Direct, deux flèches direct, ok, c'est très ça. Bien. Tu peux. Bah, tu sais, peux, c'est sa spécialité, hein, le coup des deux flèches. Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, attends, parce que pour le coup, le. Alors, attends, pas là. Parce que je ne pense pas que. Qu'est-ce que tu ne penses pas? Parce que je ne sais pas si le nuage de poussière, enfin de sang, est une réaction immunitaire. Je ne sais pas si elle compte comme un tour d'attaque. Ou si c'est un tour de. C'est simplement une réaction. C'est certainement un tour d'attaque. Certainement, partons là-dessus. Pas de problème. Donc, du coup, tu me fais. Donc, tu vas faire longbow. Bon, admettons.
Bah déjà, je vais faire réagir les autres, si les autres le peuvent. Je pense que du coup, m'aura suivi dans l'action Miles, qui aura du coup décoché sa flèche, en essayant de bien cibler le moment où je serai plus dans l'axe, quoi. Donc, c'est Sildar qui décoche ou c'est toi qui décoche? Miles. C'est Miles qui décoche. Ok, pas de problème. J'ai encore Miles et Rogue qui sont derrière aussi. Enfin, j'ai Miles, ouais. Rogue et Sildar qui attendent. Et du coup, dans l'action de, tu vois, moi qui tournoyais avec l'épée et qui la range, je pense que en rangeant l'épée, tu sais, enfin en ayant esquivé, ils applaudissent un peu comme ça. Ils sont tous très impressionnés. Non mais t'entends un... Ils ont sorti des pancartes et ils te notent maintenant. T'as 3, 8 et 1, 9. C'est ça. One point. Et d'un coup, tu as tous les titrages graphiques d'un concours de patinage à glace qui arrive comme ça dans la scène. Et tu as vraiment, genre, vraiment le public qui applaudit. Et tout repart de là où ils sont arrivés. Ouais, continuons. Générique de fin. Candeloro est très fier. Ouais, ok. Écoute, c'est Miles du coup qui va dégainer son, qui va lâcher sa flèche et du coup qui est en direction de la même créature, hein, qui m'a atteinte à l'instant, enfin que j'ai atteint. Ok, pas de problème. Donc pour le coup, hein, c'est très bien parce qu'il est du short bow, hein, donc il va pas avoir de pénalité là-dessus. Tu vas faire pareil un D20 avec un 5 de modificateur de dextérité. Ok, il fait 2. Putain, je suis abonné aux 2 sorts. 2, pas de problème. 2 plus 5, alors 7. Pour le coup, il va lâcher sa flèche, mais sa flèche elle va un peu briller, quoi. En fait, elle va pas toucher, quoi. Donc du coup, elle passe à côté de la créature, elle vient se planter sur la façade du pub, quoi, enfin de la taverne, quoi. Voilà, créature. Elle s'avance comme ça, puis même derrière lui, tu en vois deux autres, en fait, qui sortent comme ça. Du coup, la flèche se plante sur la façade du pub, hein, juste derrière lui. Ouais, ouais. Et du coup, tu as Sildar qui avance, qui à son tour arrive, et puis tu sais, genre, un peu pour rattraper le coup de Miles, tu sais, qui prend son élan, qui lève son pied et qui shoot, tu sais, un gros coup de pied, enfin un gros coup de, tu sais, un gros kick au niveau du plexus, tu sais, un peu This is Sparta, et qui le pousse, tu sais, pour qu'il aille se planter sur la flèche de Miles. Alors, pas de problème, je te donne, tu me fais pareil des 20 et ça va être un plus 5 en dextérité. Il fait 5. Ça fait 10. Parfait. Donc en effet, il arrive et il va l'envoyer. Pour le coup, son pied vraiment amorti, se pose sur le torse de ce zombie, quoi. Et d'ailleurs, t'as toujours cette espèce de sport, cette espèce de poussière, de cendre, hein, qui s'en échappe un peu sous l'impact. D'ailleurs, ça s'en souffre, hein, énormément. Et le zombie, pour le coup, est envoyé en direction de la flèche, quoi. Et puis, il se la prend en pleine tête. Tu vas me faire un... Je vais te le faire en quoi ? Je vais te le faire en... Tu me fais un D6. Ok, 5, parfait. Donc du coup, 7, ouais. Donc du coup, la créature, clairement, se prend le dos de la flèche. Donc tu vois le bout de la flèche avec les petites plumes, tu vois ce que je veux dire, en tout cas, clairement, ouais. Et elle est un peu... Un big crack. Just là, tu vois ce que je veux dire, il avance comme ça, il perd une partie d'ailleurs, la face arrière de son crâne reste attachée. À la flèche, mais pour le coup il arrive à s'en sortir et de nouveau d'ailleurs il va peut-être même arriver à choper il va réavancer quelques pas en votre direction, en tout cas pour, d'accord, pour vous attaquer. Du coup Rogue en fait va niquer son action puisque du coup en même temps que Sildar pousse la créature contre la flèche, tu vois Rogue il pense que c'est un fatality en fait et du coup tu sais il regarde et puis il fait un petit, tu sais, avec ses doigts, tu sais, genre un petit signe de ouais.
Et en fait, il est gâché son tour en faisant ça, en pensant que c'est fini. Trop tôt, trop tôt. Ok, donc pour le coup, la créature, clairement, vous fait face, en fait, elle va même se jeter sur vous. Je pense qu'elle va se jeter sur Sildar, qui va être là, pour le coup, le plus proche. Alors, je vais jouer la créature, attends, bouge pas. Je vais faire un des 20. 3 plus cette créature à Burzmi. Strength, elle a 1. Ouf. 3, 13, 14. 14 et Sildar est au-dessus. Donc, du coup, elle se lance pour essayer de le choper. En fait, elle trébuche presque. Tu vois, celui-là, elle a mal géré sa perception physique. En fait, elle va pour l'accrocher, mais en fait, pouah, elle tombe à même le sol. Et puis, elle continue à essayer de s'approcher de ses pieds comme ça, mais elle s'est plantée. En fait, elle n'a pas réussi son attaque. Et Cheryl peut remonter à l'initiative et enchaîner si tu le souhaites. D'accord. Et la créature, en tant que telle, a à peu près 7 points de vie. Hein. D'accord. Restante ? Ouais. D'accord. Et Cheryl, du coup, la créature est à ses pieds, quoi, quasiment, enfin, est au milieu du groupe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde, je crois qu'on va faire un truc, on va s'y mettre à aller à 3, parce que on va mettre Rogue un peu à l'écart, mais Sildar, Miles, c'est moi. À 3, on va shooter, on va essayer d'écraser, tu sais, genre mettre une pluie de coups de pied, enfin, tu sais, de coups de talon, d'écraser la tête par terre, tu sais, à 3, genre. Et on va essayer d'aplatir tout ça un petit peu. Ok. Alors, pour le coup, vous avez tous des forces. Gros cafouillage à 3. Un peu différentes. Hein. Alors, bouge pas, ouais. Je vais faire une moyenne, d'accord. Vous avez à peu près 3, 5. On va faire à peu près 4 points de force à pouvoir sur votre modificateur. Donc, ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me faire un des 20, en fait. C'est une attaque collective. Mm-hmm. Tu me fais un des 20 avec un modificateur de 4. 19, ouf. 19, parfait. Eh bien, écoute, clairement, oui. Et tu vas me faire, tu vas me faire un D20 pour le nombre de points qu'elle va se prendre, quoi. 5. 5, alors ok, parfait. Alors vous enchaînez comme ça la créature, alors elle mord, enfin elle prend 5 points, clairement. Et vous pensez clairement, enfin voilà, le calme revient, elle est complètement brisée de l'intérieur, enfin même, enfin c'est à la limite presque comme si ses os et ses membres s'étaient maintenant clairement étalés en cendres. Enfin, tu vois, une grosse partie de son corps, en fait, vraiment clairement au sol. Et je pense que Sildar, en fait, vous fait le signe d'arrêter, c'est bon, on l'a eu, en gros, quoi. Et en fait, parce qu'il reste Rogue, du coup, Rogue va faire la même chose, tu sais, qu'il a fait avec l'autre main, il va faire... tu sais, genre, tu sais, une deuxième fois, peut-être que cette fois c'est la bonne. Et il va aussi gâcher son tour en fait, en commentant un peu ce qu'on a fait, tu sais. Ok, donc parfait. Donc Rogue tape sa pause et plante son tour, pas de souci. Et à ce moment là en fait, tu as une main qui vient s'enfoncer dans le mollet de Sildar. Alors tu as clairement les doigts qui ont pénétré la chair à ce niveau-là. Donc je le fais en attaque, je le fais en succès parce qu'il y a tellement de proximité que bon, je pense que la créature ne peut pas vraiment se planter là. Je vais lui faire un des 4. Je vais rester gentil. 1. Donc pour le coup, c'est en fait ça le grippe juste un tout petit peu, ça les rafle un peu. Donc Sildar se prend un point de vie en moins, donc tu passes d'un 12. Non, t'avais morflé avant, t'en bouges pas. Sildar, j'étais à 9 et lui il était à 8. 8 ou 8, je crois. 8 Sildar, on avait dit 8. Ok, donc du coup, ça 7. Marque-le sur ta fiche.
Et là, en fait, t'as cette main. En fait, même le dans l'élan, en fait, Sildar sursaute presque un peu, mais en fait, ce bras se détache en fait du zombie, mais il reste toujours agrippé, toujours quelque part vivant. Tu vois ce que je veux dire? Il est toujours animé de cette espèce de malédiction presque. Et du coup, il se dit ah putain, ah, lâchez-moi, faites quelque chose, aidez-moi. Et voilà, libre à toi d'agir sur la demande de détresse de Sildar. D'accord. C'est petit, juste petit la main. Hommage à la main qui tue d'ailleurs pour ceux qui connaissent le film. c'est juste la main du coup qui reste accrochée au mollet. Ouais, c'est l'avant. Enfin gros, t'as l'avant-bras et t'as la main qui est. C'est la dernière partie du corps qui reste en vie. Hein. Le reste du corps est inerte. Ouais, clairement. Enfin, il est défoncé quoi. Enfin voilà. Non, t'as peut-être la tête qui est derrière. Mais bon, le bras s'est détaché du corps. Écoute, je vais essayer d'attraper le bras par le. Tu sais, par l'avant-bras. En fait, je vais essayer de l'attraper pour le détacher, en fait, pour l'arracher de là. Et puis, tu vois, mettre tirer un gros coup. Et puis, si j'arrive à l'arracher, je vais le balancer, tu sais, genre très très, enfin, tu sais, par dessus le toit d'une maison, tu vois. Ok. Genre un peu cool. Mode batte de baseball, quoi. C'est clairement, encore une fois, t'as l'avantage de la proximité, puis ce bras peut pas vraiment se défendre, donc tu arrives à l'arracher finalement du mollet de Sildar qui est en douleur, hein, pas clairement, c'est là où il faut la jambe, tu vois, et en effet, tu balances cette main, puis en fait, t'as la main qui s'élance comme ça dans l'air, puis qui te fait un bras d'honneur comme ça en partant, et puis qui vient se dégager quelque part. Et puis alors que le membre comme ça dégage un petit peu dans l'espace, en fait le zombie et puis il se décrépite, en fait t'as l'impression qu'il est un peu comme si ses membres, en fait ses derniers os s'étaient brisés intérieurement, et puis la créature est inerte quoi, morte. Et je vais te laisser me poser le cliffhanger pour la prochaine. Alors que pour le coup vous êtes autour de Sildar, voilà, vous essayez de plus ou moins de le soutenir, de le penser quelque part. Bah en fait, vous apercevez surtout que presque au niveau du sol, en fait, tu as de nouveau des pieds en fait qui continuent à avancer en votre direction, et que le plus, enfin, vous vous occupez de lui quelque part, plus la fenêtre de cette, enfin, que l'écran quelque part, mais ce champ de caméra en fait se nourrit de pieds en fait, et vous disparaissez derrière un amas de zombies qui sont en votre direction, et puis voilà, ça s'arrête au noir. À la Walking Dead, quoi. Voilà, clairement. Excellent. Voilà, ouf. Super épisode. Wouh. Excellent. Salamandre. Ouais, c'est bien ça. Joué. Je pensais vraiment qu'on allait morfler avec ce dragon, et au final, c'est les plus petites créatures qui nous donnent le plus de fil à retendre. Ah bah là clairement quoi. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en fait toutes ces créatures là, elles étaient là depuis le début en fait, mais vous avez décidé de ne pas. Mais c'est ça. On visiter avait... les lieux quoi. Donc du coup, t'aurais pu faire le ménage avant quoi, tu vois. Mais c'est ça. Mais non. C'est ça, donc du coup en fait il y en a plein, j'imagine qu'il y en a des centaines. Bah écoute, le village est bien peuplé quoi. Donc du coup il va falloir qu'on trouve vraiment une astuce, parce que je pense qu'on peut pas se les faire un par un comme ça, vu la difficulté qu'on a eue. Enfin, il nous a fallu 3 tours pour en venir à bout, à 4. Ouais. Ils sont costauds hein, ouais, ils sont grave costauds. Et mec, je te dis... Ils sont vachement résistants. Moi, je m'attendais à porter un coup d'estoc et puis avoir la créature, tu sais, se pulvériser en cendres dans les airs. Et en fait, que nenni. Ah ouais, mais non. Attends. Bon, la classe d'armure, ok, elle est de 8. Mais les points de vie, ils en ont 22. Hein. C'est pour te donner une idée. Par exemple, par exemple, Sildar. Il a une classe armure de 17, mais il a 12 points de vie. Donc en fait, le zombie, il a quasiment le double de points de vie, quoi, tu vois. Ouais. Ironiquement. Alors que, bon, évidemment, bon, le reste, le dragon, je te parle même pas, je te passe même pas les détails sur sur les classes d'armure et les points de vie. Putain, le pauvre PNJ, quoi, Redoff. Bah ouais, enfin, après... on verra bien hein, ce qu'il en est pour la suite, hein, si on arrive à le retrouver ou pas, ou s'il est définitivement perdu avec sa mère adoptive.
trop de venin. Ah, la fin de merde quoi pour ce personnage. Oui, c'est ça, il va falloir qu'il s'esquive à un moment donné, de toute manière. Et puis même s'il en parvient à s'esquiver, ça va revenir à zéro, quoi, ça va revenir au même. Ouais, et puis le truc c'est qu'il peut pas rester une salamandre non plus éternellement, tu vois, donc à un moment donné il va retrouver sa forme naturelle. Ouais, c'est ça. Voilà quoi. Donc, c'est ça, et vaut mieux pas que ce soit au moment où il soit dans les griffes de la créature. Ouais. Voilà. Donc on verra bien. Donc ça sera un prochain épisode de L'année perdue de Fandelver à suivre sur les jeudis d'Outre-Manche. Avec plaisir. On se refait ça semaine prochaine si t'es. Avec grand plaisir. Ça marche. Ok, à la semaine prochaine alors. Et je te dis à la semaine prochaine. Bonne nuit, ciao. Ciao, bonne soirée. Bye bye, à très vite.